En couple depuis plus d'un an, Vemma Lama Chavez et Nicolas Fleury se sont éclatés lors de la soirée d'inauguration de la marque Nobi à Paris. Une soirée très chaude au cours de laquelle le couple a pu croiser de nombreuses stars de télé-réalité et plusieurs acteurs. Après un voyage sur les terres italiennes en octobre dernier, Vemma Lama Chavez et son petit ami Nicolas Fleury sont désormais prêts à partir pour les pistes enneigées de montagne. Le 25 novembre 2021, le couple était convié à la soirée d'inauguration Nobi à Paris. Pour l'occasion, celle qui a fait la préface du guide sexuel Orgasme et Préjugés et son amoureux ont enfilé plusieurs vestes et manteaux de la marque tout en se faisant de longs et délicieux câlins devant les photographes solides gaillards. Nicolas Fleury a également posé avec la ceinture de l'UFC, d'ordinaire réservée aux grands champions d'arts martiaux et de MMA. Pour rappel, le compagnon de Miss France 2019 est un champion de cyclisme, il a d'ailleurs remporté la médaille d'or lors des championnats du monde en Andorre, catégorie junior, en 2015. Au cours de cette soirée, l'ancienne reine de beauté a également posé avec Malika Ménard, Miss France 2010. D'autres personnalités étaient présentes lors de cet événement comme les acteurs Frédéric Bell et Frédéric Chaud mais aussi plusieurs stars de télé et télé-réalité dont Yannick, marié au premier regard, Claude Dartois, Koh-Lanta, l'influenceur, et ex de Caroline Receveur, Valentin Lucas ou même Jean-Édouard Lipa, célèbre amoureux de Loana dans la première édition de Loft Story. Plusieurs grands sportifs de MMA étaient également invités mais aussi l'entraîneur de rugby à 15 Bernard Laporte, le patineur Philippe Candeloro et la danseuse désormais jurée de l'émission Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova. Les animateurs Christophe Beaugrand et Stéphane Plaza ont aussi pu profiter de la soirée tout en testant des vêtements chauds griffés Nobi.